Un soir de pluie, il était une ligne téléphonique. Ta mère a dit Moulou. Soudain, tout à coup, il ouvre la porte, se retourne devant la cavale. La cavale a fini à Varennes, par soulagement. Du silence assourdissant. Quelquefois nos pensées s'évadent, les pensées de nos êtres aimés dans les galaxies, dans l'univers. L'univers, c'est vite dit, faut voir tout de même, répéter à personne. Personne ne saura la suite de l'histoire si mystérieuse. Du garçonnet qui avait mis un tic de langage. Il commençait toutes ses phrases par « au pire, on meurt tous. » Et c'est fini. Au meilleur, on fait vibrer son cœur. Cœur grenadine, et non la grenadine à boire qui me fait vomir. Effectivement, lorsque j'avais 8 ans, un patron de bar qui n'était pas habitué à avoir beaucoup d'enfants m'a donné de la grenadine à vanner pour que le roi soit content. Content d'être heureux, j'essaie d'être enjoué. Enjoué d'être ici pour la bouche des mots. Lucien, vous le connaissez, il est bien traîné dans les bars, surtout depuis que sa fiancée lui a rendu sa bague de fiançailles. Il a perdu le sommeil, le goût de la vie. Il sort rarement de chez lui, lui qui aimait se promener dans la forêt en automne, laisser traîner sa bobine dans les musées au printemps, partir en Égypte en hiver, visiter les pyramides. Voilà, Lucien est triste à mourir. Maintenant, Lucien, il vit toujours en hiver. Alors, j'ai toujours rêvé d'être camelot, mais en féminin, ça se dit camelot, alors c'est un peu péjoratif. Donc j'ai fait mon texte au masculin, voilà, et c'est bien dommage. Voilà. Alors vous allez me dire si je suis un bon camelot à la fin, j'aimerais bien savoir, parce que je cherche à me reconvertir. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, et bienvenue ce soir à la bouche des mots. Normalement, on applaudit, c'est bien fait. Non, mesdames et messieurs, je ne suis pas un exécrable bonimenteur. Je suis, certes, un peu menteur, mais un bon menteur. Je suis un bon vendeur. Ah, je reconnais vos néfastes sourires lorsque, pour vendre, je vous raconte que je reviens d'exil. Un exil lointain au pays des sans-rires. Non, mesdames et messieurs, je ne vous raconte pas d'histoire. Je reviens d'exil sur une île où l'on crée des armoires. Mais, mesdames et messieurs, pas n'importe quelle armoire. Non, pas n'importe quelle armoire. Des armoires à histoire. Des armoires magiques qui ouvrent des fenêtres sur des univers parallèles.
où il fait beau, où le ciel est azur, et ne pleure pas des trombes d'eau. Comme une envie d'amourette, Léo, le roi feignant, se prélassait dans la savane après avoir fait un bon repas. Musaraigne en amuse-bouche, gazelle à la broche en plat de résistance avec des sauterelles grillées et quelques joues de babouin en dessert. Léo était repu. Mais Léo était triste. Une vague de blues l'envahissait. Mais que m'arrive-t-il? Je suis le roi. Je suis le plus fort, je suis le plus beau, le plus intelligent, reconnu par tous, respecté. Mais bon sang, c'est bien sûr, Léo est seul. Manger, digérer et régner ne suffisent pas, Léo. Il faut vivre. Et tout doucement, l'idée se fit jour. Tout doucement, envie de changer d'atmosphère et d'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Larguant les amarres et son trône, rasant sa crinière, Léo est devenu végétarien, le plus humble des habitants de la savane, au service des plus faibles, des anciens. L'expo d'Antin se découvrit également un côté très fleur bleue, filant le parfait amour avec... Ah, excusez-moi, Léo me glisse à l'oreille de ne pas révéler sa vie privée. Baissons le rideau tout doucement. Avec un air désinvolte et flegmatique, il avait ses habitudes dans les bordels de Macao. Ce soir-là, il n'avait pas envie de traîner ses guêtres à la poursuite d'un idéal féminin conditionné à la tarification horaire, ni surtout de se faire carotter une partie sensible de sa pension, aussi importante qu'elle fût en tant qu'envoyé diplomatique de son pays. Son pays, il y pensait souvent, regrettant parfois son temps gris, humide, où le soleil brille quand il a décidé de bien faire. Il était donc à la recherche d'une aventure d'un soir. Elle apparut. Lui jeta un regard concupiscent, s'aimèrent charnellement, puis se séparèrent jusqu'au lendemain. Merci. La saveur du bonbon de Vichy, vous connaissez, c'est bon pour la digestion. Et sur les réseaux sociaux, j'ai retrouvé la chanson pour une amourette. Qui passait par là, j'ai perdu la tête, et puis me voilà. Pour une amourette qui me tendait les bras, pour une amourette qui me disait bien. Pour une amourette, j'ai cru qu'une fête, pour une amourette, danser dans mes bras. Et après la suite, je ne vais pas continuer toute la soirée. Voilà, je vous remercie. Je viens d'une planète lointaine et décide de découvrir aujourd'hui les bienfaits de la vie sans soleil. Je descends promptement dans les couloirs d'un métro parisien. Tous ces boyaux carrelés de blanc irritent mon désir de viande humaine. Mais la foule marche trop vite pour mon unique jambe. Je me console alors dans... Ouh là là, ça tremble, hein. Je me console alors dans la fantaisie des panneaux directionnels. Rien n'est indiqué dans ma langue maternelle. C'est une histoire de marins, de héros et d'aventuriers qui arpentaient les avenues des mers et des océans. Ils étaient partis un par un, naviguant sans se retourner, collectionnant les femmes nues, mangeant du phoque ou du hareng. Servez-moi donc un coup à boire que je vous raconte l'histoire, pleine d'écharde et d'aspérité de ces héros des temps passés. C'est en remontant ces bretelles que Barbe Noire un beau matin monta sur le gaillard d'avant, les yeux fixés sur l'horizon.
Êtes-vous des enfants de pucelles ou bien des hommes, des marins? Le souffle lourd et l'œil sanglant, ils prenaient ces marins pour des cons. C'est bon. Mon histoire tourne un peu court. Vaut mieux entendre ça qu'être sourd. J'ai pas vraiment de confusion, mais c'est ma fin de toute façon. La luminosité n'est pas constante depuis que le temps et les loups sont arrivés. Dans le champ blanc sans faire semblant, et nos ancêtres, ils vont, ils viennent et disparaissent. Bouchons les trous, on les enterre. Nos ancêtres très lointains, oh la mémoire me fait défaut. Pourtant il avait plein d'étincelles dans les yeux. Un personnage merveilleux, merveilleux personnage. J'aurais tant aimé faire sa connaissance. Sa connaissance. Une connaissance dont il avait fait la connaissance au Tigabroche. Bar, bien connu. Pour son anniversaire, il mange des clous. Des clous sont nécessaires pour tenir les planches de la toiture. Toiture. Toiture ? Un toit. Un toit. Sans toi ni moi ? Trappeskvet en Wargnazen. On ne trappe pas la lune avec les dents. Les dents de la mer, les dents de lait, pour la petite souris. Souris, dit le chat en regardant son repas, à travers le temps qui passe trop vite au petit Gavroche. Avec la bouche des mots, super soirée. Oh oui. En hommage aux photos que l'on peut voir sur les murs, les bras ouverts, tels des battants de fenêtres. Les vents tôt laissent libre cours à l'air. Des ambiances au regard à l'écho tendre. Les branches tendent leurs bras gentils, tendance bienveillance. Les bras ouverts tels des battants de fenêtres. Les écorces souriant par les poumons libérés de respiration en échange de mots silencieux. Le couvercle s'éloigne un tant soit peu. Les bras ouverts à une communication paisible, stable sur les racines, ancrées dans le sol, les feuilles mordorées en évidence, le bulbe de la fleur prend exemple, bras ouverts à l'amour, sève fluide, les fruits mûrissent. Le bûcheron n'utilisera pas sa guillotine. Le Père Noël de la FNAC. Barbare de Père Noël en débardeur, les poils qui débordent, la graisse fondue du vieux café trop lourd pour supporter la chaleur de l'été. Pas le droit à tout être écrit et tout. Il fait chaud sous le chapeau. La seule aventure à passager, c'est picoler. Le bidon cache à sa surprise sa saucisse sans son sublime véhicule de nudité. Dans son sublime véhicule de nudité. La vérité, la
culpabilité. Plus de rites se sont vides à attirer. L'épiderme ruisselant par le sillon interfécé. Il se dit finalement maintenant en vacances je mets une pétée tout seul. J'arrive encore à transpirer, longtemps devant l'éternité. J'aimerais écrire un livre. Cette pensée m'enivre. Elle me donne le vertige. Comment trouver l'idée? Comment me libérer? L'idée d'échec me fige. J'aimerais écrire un livre. J'y compterai enjouer mes sortilèges secrets, mes plus belles inventions, mes plus douces passions. J'aimerais écrire un livre. Pour l'instant, je m'enivre au lieu de me livrer. Du câble, amandier, paratonnage et coordination. Okay. Au bout d'un câble, je retrouve cet amandier qui m'a toujours été fidèle. Cette saveur en bouche de l'amande est un paratonnerre qui m'éloigne pour toujours de toute coordination. Oui, j'ai découvert cette saison un débit de mots bien verts. Au Tigavroche se livrent les drapeaux, lourds d'espérance. Au Tigavroche, les mots dansent, antisocial et intergénérationnel. Au Tigavroche, à toute heure, c'est l'heure de l'arc-en-ciel. Alors, il était une fois une télépathe normande arrivée fraîchement en Bretagne. Bravo! Subjugué par tant de beauté, cela lui donna le vertige. Une citoyenne déambulante, filante et souriante à Saint-Broc. C'est dans le plus grand des silences qu'elle est venue, mais c'est fanfaronnante qu'elle repartira. Ma grand-mère. J'ai juste un jour découvert dans le tiroir d'une vieille commode une photo d'elle. Cela m'a donné des ailes. J'ai imaginé une fable libre et affranchie d'une époque où la mode était à l'asservissement des femmes de sa condition. J'ai imaginé une sorcière, une femme sage et curieuse, au goût prononcé pour l'aventure. Une amoureuse de la vie et de la nature, une sœur d'âme, une femme intelligente, pleine de livres et de culture, pleine de cœur et de douceur. Mais un jour, j'ai déclaré que chaque jour serait son anniversaire, chaque heure, chaque seconde. Il me faudra toute une vie pour honorer cet bel esprit. Dans cet univers de pâte à modeler où à peine construit vient à peine conquérir le cœur des gens, viendront peut-être une photo d'été, juste histoire de se présenter. Présenter dans cette, sur cette planète ronde comme un melon,
dans telle passion d'un sucre léger viendra à peine gazer notre bouche, et telle nous viendrons-nous dans ce fruit de la passion, bordé la nuit, car je partirai seulement qu'avec la marée. Oh. Ouais. Je me suis rajouté des mots de joker comme d'habitude, j'ai mis islamo-gauchiste. Ouais. Je sais pas quel est l'enfoiré qui a dit ça en chat. Ouais. J'ai mis, ça m'étonne pas. Épilepsie, voilier et diva. Ouais. Oh, bah, ouais. Oh, ça s'appelle ça. Ça s'appelle ça. Ça s'appelle pas en fait, je sais pas. Qui va à Arcachon, il mangera des huîtres. Qui appelle un plombier, découvrira des fuites. Et qui sort de sa cage, verra pousser ses ailes. Qui lui ôte sa robe, en verra les dentelles. C'est merveilleux de l'écriture, qu'elle est pour l'esprit une nourriture. Et vient aussi réchauffer nos cœurs de joie de toutes les couleurs. Je vois que là. Et celui qui balance emportera le poids. Et qui vit dans la peur ne ressent que l'effroi. Et qui aime le jazz dit Dizzy Gillespie. Et qui roule par terre fait de l'épilepsie. C'est merveilleux de la chanson d'avoir l'image et puis le son. Et d'aller tisser dans nos âmes parfois des joies et parfois des drames. Qui chante l'opéra prend des airs de diva. Qui parle aux extrémistes et d'islamo-gauchistes. Ouais. Qui aime les voiliers, apprend à naviguer. Qui a mal au poignet, ira chez le kiné. Oh. C'est une dédicace. C'est merveilleux les mots, que de si bien soigner nos mots. Ou d'amitié ou bien d'amour, que l'on partage au petit jour, qui nous redonne le sourire et puis aussi l'envie d'écrire. Des éléphants dans la tronche. Tout rose, avec une trompe qui trompe. Elle trompe, mais elle ne triche pas. Ces éléphants ne sont pas des banquiers ni des pachydermes éveillés des mousses. Ils pissent dans mon cerveau des rêves en intraveineuse. T'as rentré Léo, bistro ? Bravo ! C'est pas fini. Station d'enfer, je serre les fesses. Tunnel après tunnel, le réseau me lucifère. T'as rentré au bistrot ? À Montparnasse, bienvenue. Des alligators sapiosexuels parcourent les voies. Il faut que je dise ça à Simone, qui a dû finir de cuire les gratins à 7 heures. À 7 heures. Le gratin se finit à 7 heures. Le gratin n'est que le reflet de cette société décadente et fromagère dont les couches inférieures n'ont que l'ail pour subsister. Moi, le fromager, c'est ça. Aïe, 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 aïe. T'as entraîné au bistrot ! Pour subsister. Aïe, 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 croyez-vous, au pieux briochin, parcourir tel Perceval, percevoir tel Perceval, le fond d'artichaut de ma pensée. Des profondis, saucisses de Guéméné. Je pousse le vice, t'as bien salé au bistrot. Je me garde dans les parloirs. Puis, cuisson. Le droit de cuissage en prison ne peut que se faire avec raison. L'ego en expansion exponentielle réduit à l'état de tout noir avec une injection de 5 ampoules poison d'Adolphe pour Flamand.
Après, sauvé par Émilie Pouli, à qui j'avais ramené un crustacé d'une couleur bleutée quand un nomarchion a chopé le patin. Et à Saint-Prolonge, j'ai 600 au nord. Le cul en cactus cybernétique. Un cactus de Sibérie, mon cul, plein d'aiguilles, de poison, allergique, aux expulsions et aux postillons. Sorti grâce à des rails de travers du micro, le cerveau réduit, les ondes étudient mes tumeurs, les ondes étudient la rumeur, leur tondeuse d'un pétrole de boue se met à tondre les érudits. Merci, dis-tu. Laissez-moi fumer mon dernier cigare. Avant les euros, je m'en méfiais d'autres temps. Pour mon dernier voyage. Laissez-moi fumer mon dernier cigare. Avant les euros, je m'en méfiais d'autres temps. Et d'accord, je m'engage à respecter la tâche. Laissez-moi fumer mon dernier cigare. Avant les yeux rouges, m'en méfier d'autres plans pour mon dernier voyage. Laissez-moi fumer mon dernier cigare. Avant les yeux rouges, m'en méfier d'autres plans pour mon dernier voyage. Je mets mes couilles sur la table. Aujourd'hui j'ai perdu mon portable. Heureusement je me souviens où j'habite. Et je pense pas qu'avec ma clé pied. Vichy partage ou canicule. Les mots sont faits pour circuler. Alors quand est-ce que l'on s'ennuie? On n'est pas là pour s'ennuyer. Quand le punk les oreilles partent en couille, amis de la poésie, ça m'embrouille. Qu'est-ce qu'on fait avec des carottes? On le fout dans le cul des despotes. Nique ta mère la fragilité, on n'est pas là pour bavarder, mais pour exploser les micros, les tympans et les cadettes de crocs. C'est pas fini. Ça y est, je mets mes couilles sur la table. J'ai pas retrouvé mon portable. De toute façon, la soirée part en couille. Et l'épopée tourne à l'embrouille. Ami de la beauté, je vais laisser la place au pétomane qui va sauver la face. Au cracheur de feu qui criera le plus fort. Quand... Ou au dernier zombie qui a pas peur de la mort. Des fois, dans la vie, faut savoir faire une pause. C'est pas moi qui le dis, c'est Stéphane qui vous cause. Et moi je mets mes couilles sur la table. Aujourd'hui j'ai perdu mon portable. Mon cartable. Yeah, yeah. 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 Team ce soir, c'était Michel. Ouais. Dans tous les pubs et les tavernes, y a toujours un pilier, toujours prêt à lever son verre et à nous répéter. La vie est courte et sans pitié, à toi de l'apprécier. Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Et quand la bière nous est tirée, il faut en profiter. Tipol est assis seul au bord, son chèque est dépensé. Le premier du mois est pensé, maintenant il est cassé. La vie est courte et sans pitié. Mais allez-y, c'est bon, les salamandres. Oh, c'est bon, les salamandres.